Allez, ce soir, ce sera une porte du week-end, on l'espère, bon enfant. En tout cas, l'ambiance sera très familiale. On a fait, ou on fera s'opposer dans quelques instants, deux familles qui ont pignon sur rue sur les réseaux sociaux. On aurait dit d'ailleurs que toute leur vie, c'est sur les réseaux sociaux, et que sans les réseaux sociaux, ils ne respireraient pas. Enfin, c'est la petite digression. D'un côté, la famille Niaoré, amenée par le couple Niaoré, et en face, la famille Akpro, amenée par le couple Akpro. Et pour mener cette émission, il a fallu qu'on ait de part et d'autre des témoins, comme ça se fait d'ailleurs devant le maire. Donc les témoins ce soir, ce seront d'un côté l'INSEE, pour le bonheur des supporters de l'INSEE, et en face, Pierre, pour le bonheur des aficionados de Pierre, qui a été longtemps réclamé pour cette porte du week-end. Et bien ce soir, il est bel et bien présent, et on espère donc vous offrir ce soir l'essentiel du fun et du savoir dans la télévision porte du week-end. Bonsoir, bienvenue. Ici, porte du week-end pour l'essentiel du fun. On apprend des choses. Il y a des éclats de voix, il y a des coups de colère, les humeurs qui pendent et aussi des masques qui tombent. C'est l'occasion de découvrir le visage des uns et puis le vrai visage d'autres aussi. Ça va, l'INSEE? Super, et toi? Je vais bien. Porte du week-end. Sur les derniers portes du week-end de l'INSEE. Oui. Ça aurait une saveur un peu... Une saveur particulière. Mais je suis super contente de retrouver... Mon collègue, ou plutôt mon... Le bourreau. Ton némésis. Mon ennemi juré dans Porte du week-end, Pierre. C'est bien, parce que pour la dernière, tu vas perdre. Non, je pense pas. J'espère pas, en tout cas. En tout cas, pour la dernière, si elle perd, il y a un problème quand même. Ouais. On va s'inquiéter. Pierre, ça va? Très bien, très bien. Content de vous retrouver. Merci d'être là, Pierre. Pierre qui a été longtemps réclamé, donc ils seront contents. Hein, il nous manque Pierre à Porte du week-end. Pierre est là, l'INSEE est là. Essaye de pas avoir honte. Ouais, essaye bien. Ah, d'accord. Denis Niaoré, bienvenue. Merci. On va commencer par Denis Niaoré parce que c'est le père de la famille Niaoré. C'est le premier responsable. Exact. Quoique l'article 58 du Code de la famille dit que non, le père et la mère et le père sont les deux responsables de la famille. Il n'y a pas quelqu'un qui est devant quelqu'un. C'est exact. D'accord, ça va? Bienvenue. Bien fait grâce, ça va. D'accord. Denis Assita, ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Tu m'as l'air un peu plus timide que dans la vidéo, là. Il va pas falloir être timide, hein? Il va falloir qu'on y aille. Hein? Non, ça va bien se passer. Ils ont besoin d'applaudissements et d'encouragement. Alors, en face, on a Stéphanie et Stéphane. Ça, c'est curieux. Ça, c'est marrant, ouais. C'est marrant, hein? Ouais. Stéphanie et Stéphane, bienvenue. Le monde fait bien les choses. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est curieux, parce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que le patronyme, c'est Akpro, Akpro et Akpro. Oui, oui. Exactement ça. Famille Akpro, et vous êtes cousins. Exactement. Oui. Exactement. C'est ça. C'est ma belle-sœur, du coup, et... Ton cousin. Et mon cousin. Et le cousin, ouais, ouais, c'est bah ça. Oui. Ouais. Non, c'est mais ça. C'est dingue. C'est incroyable. J'aurais tout aimé, moi aussi. Sacrée coïncidence. Ouais. Hein. D'où la thématique ce soir, Family Battle. Merci. Parce que ce soir, ce sont deux familles... qui vont s'affronter. Vous m'adoptez dans votre famille le temps d'une... Oui, c'est Niaoré. Ce soir, les Niaoré. Oui. Sibaï Niaoré, c'est pas loin, quoi. Ah, d'accord. On pourrait dire Sibaï slash Niaoré. Chez les BT. Qu'est-ce que je peux dire, là, pour vous détendre un peu? Assita, on peut parler de quoi? Tu vas te détendre un peu. De tout et de rien. De tout et de rien. Bon, pour l'instant, on va parler de tout, donc on va parler maintenant de rien. On va se taire jusqu'à la fin de cette émission. Oh non, ça, on n'aura rien dit. Alors, je propose une chose, qu'on regarde un peu ce que fait le couple Steph et Steph, donc le couple Akpro, sur les réseaux sociaux. On regarde. Allez, fais-moi kiffer, t'auras tout réalité. Bébé, fais-moi planer, t'auras tout réalité. Toi,
t'es garçon, et puis t'es comme ça. T'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. Toi, t'es garçon, et puis t'es comme ça. Une femme qui a deux copains, deux gars, deux maris, ce ne sont pas tes maris ni tes gars, mais ce sont tes clients. Parce que devant Dieu, tu es une prostituée. Mais un homme qui a plusieurs femmes, tu es un prince de Dieu. J'ai entendu tout à l'heure de Stéphanie. Seigneur, Seigneur, quoi avoir avec cette affaire? Franchement. Tout le monde est déjà vu. J'ai sorti tous les docs. Ça vous fait quoi de vous voir là comme ça à la télé? C'est trop bizarre. C'est bizarre, non? Non, parce que se voir sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. À la télé, c'est encore autre chose. Ça vous vient d'où cette idée-là de vous exposer de la sorte? On va dire que c'est moi. C'est venu de moi. OK. On a commencé à publier nos photos, certaines vidéos. Les gens ont commencé à apprécier tout. Et un jour, lui a dit, et si on crée une page? Mm-hmm. On a commencé à animer ça, vu que les gens aiment. Et là, c'est parti. Et ça a pris une ampleur. D'accord. Pas possible. OK. Dans la vraie vie, qui est le plus timide? Il me semble que c'est Stéphanie. Oui. Par contre, dans les vidéos, elle se lâche. Ouais. Ouais. Parce que j'ai devant mon téléphone et autres, donc c'est ça. Je ne vois pas trop. Mais devant les je vais rajouter à ton stress. Ce soir, il n'y a pas que les 100 000 abonnés ou 400 000 abonnés de ta page. Il y a beaucoup de gens qui te regardent ce soir. Si tu te trompes, tu seras la risée de la communauté. Je savais que nous avons réussi. Attention à ce que tu vas dire ce soir, Stéphanie. Ok. Pareil pour toi, Stéphane. Oh, moi aussi, ça met dans très bonnes conditions, dis donc. D'accord. Alors, on va regarder ce que font les Niaorais, pour parler comme les anglophones. Bon, le couple Niaoré. Voilà. Et puis, on va leur demander ce qu'ils font dans la vraie vie. Est-ce que ce qu'on voit là sur les réseaux sociaux... Non, je vais vous poser la question d'abord. Ce qu'on voit là sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est ce que vous faites dans la vraie vie? Oui. En fait, à la base même, c'est mon âme sœur. Oulala. Oulala. En fait, c'est pas quelque chose que on crée ou bien genre on fait. C'est pas un fake, c'est pas un sketch. Non, pas possible. C'est réel au fait. En fait, c'est comme ma moitié. Moi, je n'ai pas d'amis. Ok. Non, je n'ai pas d'amis. Ah, carrément. Ah, non, je n'ai pas d'amis. Mais j'ai juste des connaissances. C'est sa meilleure. Ok. Voilà. Les amis me sont étonnés. C'est mon ami, c'est ma maman, c'est mon tout au fait. Donc, quand j'ai envie de. Mais Assita, ça c'est une lourde responsabilité qui te fait porter là, sur les épaules. Voilà, c'est pourquoi elle fait tout dans la maison, je lui donne tout. Tout ce qui est programmation, c'est tout ce qui est le droit de l'homme, je lui... C'est elle, en fait, c'est elle qui gère, quoi. Elle gère tout, mon portefeuille, tout. Ah bon? Tranquille. Denis voilà. Denis ce que les gens oublient, ouais. Que pour mieux économiser, ouais. Donne ton argent à ta femme. Alors, ce soir, c'est la séquence coaching. Voilà, allez, professeur Denis. Non, Michel, c'est pas prof, c'est la vérité, c'est ce qui est réel. Tu donnes à la femme, elle gère bien. C'est-à-dire, tu prends ton argent, tu lui donnes. Maman gère. Elle-même, elle est au courant. C'est ça. Elle sait comment elle va gérer. C'est ça. Tranquille. Elle va planifier tout de A à Z. OK. Et c'est comme ça que ça marche aussi, c'est les ouais, applaudissements. Bien sûr. En tout cas, moi, ici, un vrai. Alors, ma très chère Assita, oui. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Bon. Après toutes ces accusations. Il a raison, hein. Il a raison. Il a pas Assita, elle est plus mouré dans les vidéos, mais là, elle parle pratiquement pas. C'est à croire que vous êtes... C'est deux choses différentes. C'est quoi? Quelle est de faire la vidéo derrière ton téléphone, comme elle a su. Oui. Bien dit. Et un autre, d'être sur un plateau comme c'est ça. C'est ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui te regardent aussi sur le continent et dans le monde. Je regarde. Oui. Je suis trompée. Oui. Ah, mais tu toques, c'est pour moi demain. C'est ça. Ah, vraiment, il y a quoi, Assita? Regardons ce que font Denis et Assita de leur vie sur les réseaux sociaux. What for match? Why? What match? Why? Why are you running? Why are you running? Faut plus que ça me dise quelque chose. Même s'il sort, il vient à 2h du matin. Là. Faut plus que ça me dise quelque chose. Vous voyez là. Voilà, tu fais comme ça.
fais pas ça. C'est pas bleu, vrai vrai, le chef Ivana, c'est un joli garçon. Et puis il a une belle taille. J'aime trop sa façon de s'exprimer là. Mais là, nous. Ouais, c'est déjà la chèque qui m'a la carte donnée. T'as pas une tonique. Va t'en essayer. Jean, c'est moi qui a été devant toi. Jean, tu valorises l'homme. Jean, il est trop éloquent. Mais quelqu'un est dans tes jolis, il est joli. Mais va pas là-bas. Il n'y a pas femme à bien qui n'est pas chèque qui va nous. Mais toi, au fait, tellement que toi là, tu cherches ma bouche là. Tu as ma petite chèque qui va nous. Donne-moi les 6 quoi. Ou bien il n'a pas ça rouge comme moi. T'as va dans un centre, allez prendre moi, fais coca pour toi. Va avoir des chèques qui vont tellement coca. Va le payer. Sinon, si c'est moi là. Tu as boire piment, piment sec. Foutaise comme ça. On dégage. Pardon. On va finir ce par là, parce que Sita, je ne peux pas supporter autant de violence conjugale. Comme il t'a demandé de venir à NCI, vous pouvez me prendre tes trucs de tonique. Non, on doit ton tonique là. Voilà ça. Donc c'est ton pack télé d'ici, porte du week-end. Tu la bois seul. C'est un piment sec là, il va boire ça lui seul. Merci d'être là, Sita. Allez, on va démarrer cette affaire. Bon allez, il fallait le faire, c'est chose faite. Il faut des noms de groupe. Ah oui. Ou est-ce qu'on se contente des les Niaoré et les Akro? Ouais. Tu préfères un nom de groupe? Oui. Tu veux qu'on s'appelle comment? On choisit. Je suis un. Tu es quoi? Les choses compliquées. Choisis quoi? Non, mais moi, bah moi les Niaoré, ça me va. Je pense que c'est mieux. Ok. C'est bon? Les Niaoré? Oui. Oui, il est Akro. Il est Akro. Voilà. On va démarrer dans quelques instants parce que nous on appelle ici qui suis-je? Ok? Juste après ça. Le temps qu'on sécurise dans la chambre froide le colis précieux. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Tu viens de dire qui suis-je? Pierre me regarde puis fait. Je lui dis oui, ça a changé. Il y a des choses qui ont changé. Ah Pierre, bon, il savait pas. Il y a des d'accord. Nouvelles épreuves. Pas prévenu, hein. Très bien, on va tester le buzzer. Denis, c'est pas palabre. Hein. Ok. C'est pas sur le buzzer que tu vas te venger. T'inquiète, tu peux te venger. Ok. Elle a son tonique, c'est suffisant. Très bien. Ce qui va se passer, c'est qu'on va afficher des photos de gens célèbres. Il faudra actionner le buzzer si vous pensez déterminer la bonne réponse et donner le nom de celui qui s'affiche à l'écran. Il faut être très actif quand on appuie le buzzer. Et Denis, c'est là qu'on t'attend, surtout. Première image, de qui s'agit-il? Trois secondes pour répondre. Allez, c'est l'acier. Deuxième image de ce qui suis-je dans cette télé d'ici Port du week-end spéciale famille. Desmond Tutu. Héros de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud et qui nous a quittés il y a quelques mois. Cette troisième image qui arrive est plutôt accessible. De qui s'agit-il? Mère Teresa. Mère Teresa. Je ne sais pas alors. Ce qui arrive, je ne sais pas si c'est évident, on va voir. De qui s'agit-il? Ah là 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 là. Qui es-tu? Où are you? Je ne sais pas. Non, je sais pas. Dosé. Il est présenté comme le père de la microfinance. Prix Nobel de la paix 2006. Le père de la microfinance. Non, vous ne l'avez pas? Ah non. Il fallait dire Mohamed Younous. Ah non. Mohamed Younous, mais. Okay. Ouais. Non, mais pas le visage. Vraiment. Yako. De qui s'agit-il sur cette image? Martin Luther King. Est-ce que vous seriez à même de me dire, du côté des Niaorés et des Akros, j'ai l'impression que le buzzer s'est activé en. Qui est sur cette image? Samori Touré. Samori Touré. Alors,
Alors, je rappelle au public dans le dos qu'on ne souffle pas. Et ils n'ont pas soufflé. Oui, je sais, je sais. On ne souffle pas. Vous constituez les jokers. Quand on donnera le go, ils pourront recourir à vous. Pour rappel. Pardon ? Bon, on y va, c'est pas je rappelle grave. Le score. 5 pour l'instant pour les Akros. Et pour l'instant, rien du côté d'Agnaoré. Merci. De qui s'agit-il sur cette image ? Albert Einstein. Il a la main. Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, a.k.a. Mahamat Gandhi, un surnom qu'il n'aimait pas particulièrement. Ça signifiait grande âme. Pas qu'il n'aimait pas, mais bon, il était d'une humilité un peu déconcertante quand même. D'après vous, sur cette 9e image, de qui s'agit-il ? Merde, non. En d'accord. Fait. Il s'appelle pas merde. Béanzin ? Ouais, woo! Ouais. Attention, ce qui arrive, c'est un illustre inconnu. Pourtant, il devrait être sûrement l'un des hommes les plus connus de la planète. De qui s'agit-il sur cette image ? Cancan Moussa ? Je sais, c'est... Précision, s'il vous plaît. Oui. Cancan Moussa. Voilà. Je dis pas Cancan. Je dis Cancan Moussa. Vous êtes comme l'homme le plus riche, ouais. De l'histoire, de tous les temps. Aussi. Une fortune estimée, selon plusieurs sources, à 400 milliards de dollars. Je vous laisse faire la conversion. Ce sera tout pour le qui suis-je. On va passer à présent. Merci. À connais-tu mon beau pays, mon beau pays. Okay. Hey. Juste après ça. Alors, ce qui arrive maintenant, ça sera un peu marrant. La semaine dernière, oui. C'était pareil. On était à, je sais pas, 0,15, un truc comme ça. Pierre, on a remonté, on est arrivé là, et après, on n'a pas gagné. Ça va aller. L'INSEE et ses interventions. On lui a demandé ce qu'elle affectionnait entre la viande et le poisson. Il dit, bon, j'adore le poisson, mais bizarrement, je mange que de la viande. Bon, 7-2. Yes. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais vous faire écouter des génériques de films. Okay. Et il va falloir deviner de quel film ou série il s'agit. Il voit rien, du coup. Bah, écoutez, on va découvrir maintenant. Premier générique, écoutez ça, c'est plutôt marrant. Ah, mais oui, c'est ivoirien. C'est ivoirien. C'est quoi ? Qui fait ça ? Qui fait ça ? Ma famille. Notre famille. Merci. Notre famille. Merci. À quel téléfilm ou série appartient ce générique-ci ou ce jingle ? On va pas mâcher. Dites merci à vos frères. Franchement, ils vous sauvez. Deux. Troisième générique. Qui fait ça ? Non. Balle poussière ? On n'a pas pu l'entendre. Remettez encore. On va rejouer, mais prêtez attention. D'accord. OK ? Ouvrez grand vos oreilles. On écoute. Les guignols d'Abidjan. Wouh ! Et les guignols, il y en a de toutes sortes. Hein. Il y a les guignols de l'info et tout ça. Guignols d'Abidjan. Pierre, faut être produit par feu Daniel Cussac. Oui. Celui qu'on appelait affectueusement le Wolof Otouabou. Entendez le Sénégalais blanc. Ce n'est pas une émission. Ce n'est pas un film. Melrose Place. Ah, bah oui, non, on est en Côte d'Ivoire. C'est une émission de télé. J'ai oublié. Asita qui exige qu'on réécoute. Oui. Bon, allez, on va y rôter.
Mais en plus, je sais ce que c'est. Vous l'avez pas? Non, je l'ai. Télescope. Non. Ça, ouais, mais il y a quelque chose comme ça. Comme dirait quelqu'un, Pierre is back. Pierre, c'est ça. Il écoute et puis... Bon, allez. Ah ouais. C'est une série télé qui arrive. OK. Faut pas fâcher. On l'a déjà dit. Non, qui fait ça? C'est Ernesto JJ. Oui. Qui servait aussi de musique de générique pour cette série diffusée à l'époque sur la radiodiffusion télévision ivoirienne. Qui fait ça? Ce qui arrive, c'est plutôt un film grand écran, cinéma ivoirien plus exactement. Belle poussière. Oh non, je vais le dire. Non, ça m'énerve. 12, 3. Merci. Avant-dernier track de Ce connais-tu mon beau pays. Grand écran, cinéma. Au nom du Christ. Pensez à Henri Duparc. Ouais. C'est peut-être sa toute dernière production. Avant qu'il ne tire sa révérence. Je vous donne un indice. Oui. Pensez à une friandise. Caramel. Oh non. Caramel. On va plus jamais m'inviter. 13 pour l'impro. Franchement, Pierre, c'est vraiment pas cool. Les Niaourés, pour l'instant, on est à 3. Laisse-moi gagner. Dieu va faire. Non. On va écouter ce dernier track correspondant à une série télé ivoirienne. C'est dans la cité. Je me repose un peu, tu vois. Sida dans la cité qui permet à l'équipe des Akros de marquer un autre point précieux. Okay. Vous êtes désormais à 14. Ça va aller. Contre 4. Pour 10 points d'écart. Ouais. Ah, c'est rien. C'est rien. Courage, c'est rien. Vraiment, c'est rien. Allez, on reste dans la musique. On reste dans la musique. Cette fois, on va jouer des chansons. Ok. Des chansons plutôt connues. D'accord. En grande majorité, pour vous aider, on est en Côte d'Ivoire. Ok. Je vous dirai pas l'époque. Non, mais chaque. C'est le Blind Live. Juste après ça. On n'est que en Côte d'Ivoire. Disons que nous sommes presque que en Côte d'Ivoire. Bah oui, alors. On est là ou bien on n'est pas là? Premier extrait. Ça, c'est pas mon époque. Il dit, c'est pas mon époque. Honnêtement, dis un truc. Si les Niaourés n'ont pas ça, il y a un problème. Ah bon? Ah bon? Ça veut dire quoi? Il est bêté? Ça veut dire qu'il est bêté. Et en vrai, Jimmy? J'ai oublié, je veux aussi le titre. Hein. Ah. En plus du nom, le titre. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Niaouré Jimmy. Si, c'est Niaouré Jimmy. Il faut le titre aussi. Le titre de la chanson. Joker ou pas? Ça m'étonnerait. Oui. Go pour le Joker. Joker, c'est pour ça qui? Avec qui a bêté ici? Chou blanc. Oh non. Le titre. On ne peut pas compter ici. C'est que nous-mêmes là. Aidez-nous. Joseph Roko Mawa. Non. Ça, c'est quoi ça? Allez, fallait dire. Là-bas. Fallait dire Luxon Pado, Calbeu. Là-bas. Non, Calbeu, pas là-bas. Oh. On n'avait pas trouvé. Bon, c'est quand
Alors, c'est plutôt 3, hein, je rappelle. Hein, pour les Niaoulé, non 4, pour info. Calbeux, Luxon Pado, vous ne l'avez pas. 3 et non 4. Vous êtes sûr? J'en suis persuadé. Deuxième track de ce Blind Live, plutôt accessible. Titre, si c'est Monique, c'est quoi, quel titre? Essayez moi, moi aussi. Monique, c'est Camisson. Hein. Vous allez remonter, moi je suis sûr. Pour l'instant. Moi je sais que vous allez remonter. Allez, on écoute le troisième track du Blind Live. On reste toujours en Côte d'Ivoire. Non, là c'est vraiment pas pour m'aider quoi. Je connais, je peux pas, je chante. Mais peut-être là-bas romantique aussi. Ameachi. Alors, du côté de Niaoulé, je vous recommande d'être concentré. Tout à l'heure, elle a dit Maté et elle cherchait le titre. Si vous aviez écouté, vous auriez pu reprendre la main et peut-être rajouter le nom ou le titre, par exemple. En gros, ce que fait Pierre. Le clair du temps dans cette émission. Faut écouter, peut-être que le voisin d'en face peut vous aider. Je sais pas, ça marche comme ça d'ailleurs à la maison. Hein. Vous écoutez parfois les disputes des voisins? Non, ça, jamais. Ça, c'est un autre level. Le voisin regarde. Bon, ok. Allez, on écoute ça. Plutôt accessible. Alpha Blondie. Et le titre, il faut le titre. Alpha Blondie. On peut jouer un peu encore, s'il vous plaît? Non, on peut pas jouer un peu encore. Il y a pas mes ballons de Zizi. Non, attention. Encore, le joker, il faut avoir l'autorisation d'abord. Ah, ok. Attends. Donc, à jouer eux. Refrain. Ils peuvent jouer le refrain. Va bene. Coco Dirasta. Coco Dirasta. T'as pas la main en fait. Coco Dirasta. Coco Dirasta, Alpha Blondie. Coco di. J'aime Coco di. Non. Coco Dirasta. Non. Ça s'appelle comme ça cette chanson. Vous êtes sous la bonne voie. Coco Rasta. Non, ça c'est un bassin. Coco di. Alpha Blondie. Coco di Rasta. Non. Rastaway. Coco. C'est pas Rastaway. Coco. Oh, dis le nom. Coco D-Rock. Non. Dis le nom. Coco D-Rock. Coco D-Rock. Coco D-Rock. C'est bon, j'ai fini, je m'en vais. 17-3, position stationnaire pour les Niaoulés. On va écouter cet autre titre. Attention, je pense que vous l'avez tous autant que vous êtes. À la fin. Affirmanto, DJ Arafat. Affirmanto, DJ Arafat. Joker ou pas? Non. Ok. On ne souffle pas dans le public. Bon, oui. Il a entendu chanter toute la chanson, il n'a pas le titre. Il n'a pas le titre. Bon, attention dans le public, on ne souffle pas. Non. On peut. Joker ou pas? Go pour le Joker. DJ Arafat, ben chèque maintenant. Monsieur,
même chaîne. Il y a Henri ici, on ne voit pas le public. Hein. Avant-dernier track de ce blind live. On reste concentré. On ne souffre pas dans le public. On ne souffre pas dans le public. Attention, attention. P-Square. Ne souffle pas dans le public. 3 secondes pour répondre quand on a la main. On connaît le son, mais... Vous n'avez pas Joker ou pas? Oui, Joker. Oui. Go pour le Joker. Il faut maman, bien Afrique. Ouais, ah, bon, ben non. Oh, putain, je peux te plaquer. Oui, c'est pas piscouer, en fait. Pas d'injure. Ça ressemble à piscouer. 19. Ils vont remonter. On reste dans le pays de cœur de l'INSEE, le Nigeria. Ouais. Pour vous aider. Elle a la main, 3 secondes, elle a perdu la main. Maman, ouais. Ouais. P-Square. Yo go go. Yo go go. Yo go go. Tu voyais que c'est P-Square, c'est. Aïe, non, yo go go, yo go go. Il avait le refrain aussi. On connaît pas lui. Donc Jay-Z. Non, non, non. Attends, mais l'autre dit P-Square. C'est Piscoué. Piscoué, quoi? Attends, et Dodo, Joker ou pas? Go pour le Joker. Si ça vous dit de savoir ce que signifie revenir de loin, vous en avez la parfaite illustration. Un point célébré comme on célèbre le 31 décembre. Il manquait plus de feux d'artifice et voilà. 4-19. On va marquer une pause, on va s'oxygéner. Ça va permettre aux uns et aux autres de se remettre les esprits en place et les idées en place. On va à la pub, on revient juste derrière. Confrontation, opposition familiale ce soir entre d'un côté les Niaoré amenés par l'INSEE Niaoré, Denis Niaoré, Asita, Adèle, Akouo, épouse Niaoré. Ouais. En face l'équipe des Akpros amenée par Stéphane Akpro, Stéphanie Akpro, Pierre Akpro. Je rappelle le score, 19-4 pour l'instant. Allez, on reste dans la musique, ça s'appelle la chanson inversée. C'est le même principe que tout à l'heure, sauf qu'on a inversé les chansons. Même principe, il faut donner le nom de celui qui chante et le titre interprété. Aux grandes dames, visiblement, de Denis, mais bon, va falloir s'y faire. Après ça. Je vous rassure, ce sont des titres plutôt connus. Il voit rien, toujours? On verra. Écoutons ça. Africa Ismaël Lo.
Enfin, non, attends, non, qu'est-ce que je raconte? Singila? Non, 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 c'est Ismaëllo. C'est Ismaëllo. Ismaëllo, Africa. On n'a pas un verset là. Il n'a pas trouvé. C'est un verset là, il a trouvé. C'est Ismaëllo, Africa, maman. Mais c'est que c'est Ismaëllo. On réécoute. Ok. Je l'ai en plus et je l'ai et ça me vous n'avez pas le public non plus visiblement je pense. Si go pour le joker. Non, nous on veut pas de joker. Ismaëllo Tadjebon. Tadjebon Ismaëllo. C'est un choix démocratique. 20. Et là, en fait, on était après dans la démocratie. 4. C'était plutôt... C'était plutôt le juge à décider. Oui, et du coup, ça nous a mis c'est un une option peu aussi en valable. Porte à faux. Et du coup, je suis absolument pas très contente. D'accord. Et je propose qu'on, du coup, ben, qu'on écoute le deuxième suivant. Titre. Absolument, allons-y. Amadou et Mariam... Amadou et Mariam, un dimanche à Bamako. Le dimanche à Bamako. Amadou et Mariam, ma chérie, mon amour. Amadou et Mariam, je t'aime. Non. C'est bizarre que t'aies ces morceaux-là, Pierre. Ah, si, Amadou et Mariam, mon amour, enfin... C'est Amadou et Mariam. Salif Keïta. On peut réécouter? Non. Non. Joker ou pas? Attention, attention. Joker ou pas? Non. Mon amour, ma bien-aimée, Amadou et Mariam. En tout cas, c'est pas ça le titre. Ça, c'est dans une chanson, mais c'est pas ça le titre. Non. Je pense à toi, fallait dire. Ah. Amadou et Mariam, je pense à toi. Je pense à toi, mon amour. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. C'est incroyable comme c'est charmant. Denis qui se tourne vers Asita et qui lui chante cette chanson célèbre. Je pense à toi, mon âme sœur, ma moitié. On sait qu'il l'aime, mais ils n'ont qu'à gagner maintenant. Bon. C'est un mou, là, il a prouvé. Pour le plan de Pierre, on sait qu'il l'aime, mais ils n'ont qu'à gagner. OK. Ben, écoutons alors ça, pour savoir s'ils vont gagner un point ou pas. Il est mis à la D. Johnny. Hey. Il y a la dette Johnny. Il y a la dette Johnny. Oh, ah, mais attends, mais c'est pas vrai. Non, vous trichez là. Johnny. Il y a la dette Johnny. On peut pas perdre la main. Allez, c'est... quatrième track. 25. Tapé comme jamais, Maître Gims. L'extrait est un peu personnalisé. Personnally, Stéphane will go with Stéphanie. Denis will go with Asita. And personally, in this game, I'm not winning. It's the déluge, so far. 21-5. The déluge. On écoute ça. Dis-moi. Oui, c'est Singila. Singila, la femme de quelqu'un en featuring avec Koffi Olomide. Quelqu'un, Singila, Koffi Olomide. Bon point. Avant-dernier track de cette chanson est versé, je rappelle le score, 21-6. On n'entend pas. On peut monter. The Blue Makers, en jaillement. Ils n'ont jamais chanté ça. Oui. Mais toi, tu écoutes Zouglou, non? Seigneur, tu as quoi aujourd'hui là? Moi, j'écoute même pas. Joker? Joker ou pas? Joker! Non! Joker ou pas? Joker! 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 Joker!
Zouk, jamou, jamou, Zouk, mec. Mais c'est pour ça, jamou, déjà. Bon, bon. Angélique Sundapri, c'est ça qui va tuer. Ça s'appelle comment? Zouglou Maker, c'est ça qui va tuer. Ah, ok. 7 pour les New Rays. Oh, dernier track de cette chanson inversée. Bon. 21 jusque-là. Ça va aller. On écoute ça. Oulala. Bella, bon point pour les Niaoré, qui marque donc évidemment un point précieux. Je rappelle tout de même le score, même si ça ne plaît pas si tard. 21 pour les Acros et 8 pour les Niaoré. On va passer à présent à de la Dieu fait grâce. Culture générale. Voilà. C'est le domaine de Pierre, ça. Je pense que c'est le domaine de tout le monde. Il faut juste rester concentré. Il faut mettre la main sur le buzzer, Denis. Hein ? Faut pas jouer les chocos ici. Oui, Asita ? Non, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Hein ? Ça n'a pas encore arrivé. Première question. Question à choix multiple. Qu'est-ce que la mangrove ? Trois propositions de réponse. Attendez, je coupe le buzzer. A, un animal terrestre. B, un poisson des mers chaudes. C, un écosystème de marée. Écosystème de marée maritime. Bon point. Deuxième question de ce test de culture générale. Quel est l'organe qui produit les cellules sanguines? A, la moelle osseuse. B, le foie. C, le pancréas. La moelle osseuse. Réponse A. 3 secondes. Quand on a la main. Qu'est-ce qu'une harangue? B, A, une bande de terre entre deux mers. B, un poisson de l'océan Atlantique. C, un discours solennel. Un discours solennel prononcé devant une assemblée. Quelle est la définition d'après vous du mot misanthrope? A, une personne qui aime manger. B, une personne qui manifeste un orgueil démesuré. C, une personne qui manifeste de l'aversion pour le genre humain. C'est une personne qui manifeste. Ah oui, pardon. Cinquième question. Quelle est la capitale de la Gambie? Appuyez tout le temps. Casamance, B, Banjul, C, Tripoli. Banjul. Appuyez tout le temps, comme ça, au pire, on cède. Sixième question. Okay. Non, mais regarde là. Merci. Je rappelle le score. 25, 9. Le score, là, même si tu n'as pas rappelé, on sait. Quelle expression de la langue française? Expression consacrée. Qui est relative à l'environnement, donc paysage et tout ce qui va avec, est utilisée pour signifier... J'ai pas encore posé après la question. Après la pluie vient le beau temps. Allez, vas-y, valide. 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 C'est la rapidité. Le bonheur revient après avoir vécu un malheur. Après la pluie vient le beau temps. Après la pluie vient le beau temps. Valide. C'est le travail d'équipe. Quelle expression de la langue française relative... Attendez, on n'affiche pas la question. Oui. C'est là, c'est bon. On n'affiche pas les questions. Quelle expression relative à l'environnement? L'expression française est utilisée pour signifier le petit détail qui rend une situation intolérable. Oui, Asita? La goutte d'eau qui fait déborder le vase. En français, finger in the nose. Quelle expression relative à l'environnement est utilisée pour signifier... Ce n'est pas une grosse tâche. Vous dites ce n'est pas une grosse tâche. Mais dans cette expression, on doit retrouver un élément, le nom de quelque chose en rapport avec la végétation. L'environnement. De l'eau à boire. Ce n'est pas une grosse tâche. C'est simple comme de l'eau à boire. Ce n'est pas une grosse tâche. Clair comme de l'eau de roche. Simple comme de l'eau à boire. Non, c'est simple comme de l'eau à boire. Il y a des siamois en bas gauche, apparemment. Ce n'est pas une grosse tâche. Ce n'est pas une grosse tâche. C'est facile, si vous voulez. Oui. Relativement à l'environnement. It's easy. Ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est pas la mer à boire. Ah ouais. Bravo. Enfin, quand même. Oh, on a été cultivé. Simple comme de l'eau à boire. J'ai inventé des trucs, moi. Non. Alors, on reste toujours dans la langue française pour parler des expressions consacrées. Relatives à l'environnement. Mm-hmm. Quelle expression est utilisée pour signifier exagérer, voire une situation pire qu'elle ne l'est en réalité? Plus de peur que de mal.
Oui, mais dans plus de pain que de mal, il n'y a rien qui est en rapport avec l'environnement. Il faut que des thèmes comme la mer, montagne, paysage ressortent. Non. Voire exagérer, voir une situation pire qu'elle ne l'est en réalité. En faire tout un foin? Tout un foin. Foin. En faire tout un plat? Non. Là, c'est pas l'environnement, ça, c'est l'environnement culinaire. Je peux comprendre, parce que c'est les familles. Voir une situation. Oui, ben bon. Vous ne l'avez pas? Non. En faire une montagne? En faire ah une bah montagne. Oui. Ah ouais. Ah bah non, non vous n'avez pas marqué le point. Dernière question dans cette série. En français, quelle expression relative à l'environnement est utilisée pour signifier très facile à comprendre? Clair comme de l'eau de roche. Ouais. Ce qui met donc un terme à ce test de culture générale. Je me fais fort de rappeler le score. Non mais échec. Attention, 29-9. Ah. Wow. C'est à présent non, ce que nous on appelle ici. C'est ma dernière. Même pour ma dernière, vous ne voulez pas me faire gagner quoi. Mais c'est, et je te respecte. Mais je arrête, respecte arrête mon toi, adversaire. Je sais pas ce que tu as fait là. Je suis sûr que tu as tout appris. Il y a t'es, un petit t'es, chose. T'as, ouais, à craquer, elle. Ah, il y aurait une fuite. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Bon, allez, on va passer ici à ce qu'on appelle arrête-moi si tu peux. Ok, bon, ça. Ah, là, y a ah, pas non, de... j'aime pas ça. Là, il n'y a pas de question. Ok. Je vous explique le principe. Il faut choisir quelqu'un parmi vous avec qui je vais converser pendant 2 minutes. Et pendant les 2 minutes, il ne devra pas répéter une chose qu'il a déjà dite lui-même au cours wow. de cette conversation. Ok, ça branche qui? On est d'accord? Quoi que je dise, quoi que je fasse. Ouais, vas-y. Ce sera qui du côté des Acros? Ce sera Stéphane. Ouais. Denis. Et ce sera Denis, juste okay. après ça. Je rappelle à toute fin utile que quand vous atteignez les 2 minutes sans s'être répété, vous empochez 2 points. La même phrase. Non, il y a 2 points à prendre oui. pour celui qui tient. Quand vous ne tenez pas, vous faites perdre 1 point à votre équipe. Wow. 9 là bon? Même. Avant de prendre la parole, il faudra actionner le buzzer et dire arrête-moi si tu peux. Attends. Qui veut démarrer? Stéphane ou Denis? Je comprends même pas. Denis. À toi la main. À toi la on main. Dit les vainqueurs doivent démarrer. Merci, vas-y. Donc on va démarrer par notre très cher Stéphane. Si tu peux. Top chrono. Est-ce que tu peux me chanter, Stéphane, une chose que ta mère te chantait quand tu étais gamin? Frère, oui, Jacques. Oui, vas-y. Juste peut-être le premier couplet, pour voir si tu as de la mémoire. Dormez-vous. Sonnez la matine. Ding. Ding. Donc. On n'entend pas, en fait. Vous entendiez quand il chante? Oui. Le public a besoin d'entendre aussi. Non okay. Ou sur attention, elle ne souffle pas. On reprend. Allez, on repart à zéro. Le voisin a soufflé. On reprend à zéro. On ne souffle pas. C'est une épreuve individuelle. OK. On repart. Même principe, Stéphane. Arrête-moi si tu peux. On relance le chrono. Tu peux me rappeler le nom de ton quartier d'enfance? Mon quartier d'enfance? Ouais. Je n'ai pas dit ton quartier d'adolescence, ton quartier d'enfance. Ouais, on y va. Résidence. T'as pas besoin de tenir le buzzer, c'est pas toi qui joues, Stéphanie. Hein. Pardon. Ouais. Un quartier. Il faut que tu parles. Merci, ça fait 2 fois quartier. Quartier d'enfance et quartier. OK. Ah. Vous tombez, hein. Toi aussi, toi, tu as quoi? Tu n'es pas concentré. Combien 28. C'est les rechanter, Pierre. Non, il y a des petits tapons pour ça. Je vais tourner à présent vers mon cher Denis. Niaoulé, Niaoulé, Denis. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. On n'entendait pas. Denis, ça va? Ça va. Je vois que tu bouges beaucoup sur ton siège. Pourquoi tu bouges autant? Au gain. Pardon? Au gain. Oh non. C'est fini. Non, mais il est fort. Il est très fort. À 8. Non, la première fois. Non, mais il est fort. On passe maintenant aux femmes. On passe rapidement aux femmes. Allez, Stéphanie. Oui. Arrête-moi si tu peux. On ne souffle pas, je rappelle. Top chrono. Stéphanie, tu peux me rappeler ton nom à l'état civil quand même? Kwasi. Ouais. Nsibé. Mm-hmm. Rose Stéphanie. Nsibé. Sidibé, comme l'animatrice? Oui. Ah, d'accord. OK. Et comment tu l'appelles? N. Ouais. Apostrophe. S-Y-B-E-T. S-Y ou S-I. I normal. I normal. Non. Non ou oui? Non.
Il est bon. Voilà. Asita. Arrête-moi si tu peux. Top chrono pour Asita. Allez, on remet le compteur à zéro. Oh my God. On remet le compteur à zéro. C'est quand même difficile. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Asita, quel est ton plat préféré? La Cali. Quel est le plat que tu cuisines le mieux? Graines. En fait, si on demandait à Niaoré, c'est quoi? Qu'est-ce que tu répondrais? Ou tu penses que qu'est-ce qu'il répondrait lui, en fait? Ce qu'il aimerait, quoi, je veux dire. Ce qu'il aime le plus. Attention, Niaoré, ne souffle pas. Et quand on perd des secondes, on rajoute des secondes. Non, je vais dire, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu cuisines le mieux? Pour qu'on comprenne, quand même. Attiqué. Oui? Avec quoi? Poisson. C'est quoi ton nom à l'état civil? Adèle. Ton nom à l'état civil? Oui, Adèle. Merci. Je ne sais pas si c'est une affaire de tenue ou pas. Ce sera tout pour ça, arrête-moi, si tu peux. On va marquer une pause. Tu m'as fort. Et de la fête. Il n'y a rien à dire. Allez, Adèle. On marque une pause. Juste derrière, il y a le one-to-one et à la queue leu-leu. À tout de suite. Ce soir, entre d'un côté les Niaoré amenés par Lindsay, Denis et Asita qui totalisent au compteur 7 points. Et en face, les Acros amenés par Stéphane, Stéphanie et Pierre, 27 points au compteur. On va passer à présent ce que nous on appelle ici le one-to-one. Juste après ça, je vous explique. Jusque-là, les questions étaient collectives. À présent, je vais vous poser des questions individuelles. Quand vous trouvez la bonne réponse, vous gagnez un point. Mauvaise réponse, vous perdez 2 points. Wow. OK, c'est bon? Extinction totale des lumières. Je vais me tourner à présent vers Notre-Dame de la Complainte. Non, soleil de minuit, Cheikh. OK, le soleil de minuit du lundi au jeudi. Lindsay Sibahi. Niaoré, pour les besoins de la cause, ce soir. 7 points au compteur pour le groupe pour l'instant. Une seule question. Parfait. Orthographe. Je te lis cette phrase. J'ai écrit un conte pour le compte de ce conte. Okay. Comment écris-tu les 3 contes? J'ai écrit un... 2 heures avant. 20 secondes. J'ai écrit un conte, C-O-N-T-E, pour le compte, C-O-M-P-T-E, de ce compte... Ouais, je vois, c'est le 10 compte, secondes. On ne souffle pas dans le public. 5 secondes. Le compte, c'est un compte. Le compte, j'ai écrit un compte pour le compte, ça c'est bon, de ce compte. Timing up, j'ai besoin de la proposition. Du 3e compte. C-O-N-T-E. Ce sera ton dernier mot. Ouais. Hein. Oh non. Vous tombez à 5. C'est le dernier. C-O-M. Mais oui. C-O-M-T-E, le compte. La comtesse. Extinction de lumière sur... Lindsay Niaoré, je vais me tourner à présent vers le chef de famille, monsieur Denis Niaoré. Niaoré Denis. Ayoka. Ça va aller. Juste une question. Même principe. Il a reçu une amende pour avoir récolté plus d'amendes que prévu. Comment écris-tu les 2 amendes? 20 secondes. La première. A-M-E-N-D-E, pour avoir récolté plusieurs amendes. Plus d'amendes. Plus d'amendes. A-D-M. 10 secondes. E-N.
5 secondes. T-E. Ce sera ton dernier mot? Non, 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 non. Attends. 3 secondes. A. D. M. C'est un mot. Il est tombé à 3. C'est pas grave. On allait dire amende, le première, donc A-M-E-N-D-E. C'est long, c'est long. La deuxième amende, A-M-A-N-D-E. Extinction de lumière sur Denis Ignaoré. Je vais me tourner à présent vers celle qui tient le foyer. Voilà, et lui-même, il a reconnu, c'est elle qui gère les fonds. Si on était dans un gouvernement, on aurait dit ministre du budget et du portefeuille de l'État des Ignaorés. Ignaoré Asita, oui. Ako, une seule question pour toi. Allez-y. Combien d'abonnés avez-vous sur TikTok? Une approximation. Non, non, non. Baiser avant. 20 secondes. 442 000 abonnés. Wow. Je veux la meilleure approximation possible. À l'heure où on parle. 10 secondes. Ce sera ton dernier mot? 446 000 abonnés. Vous montez à 4. Merci. 446 000. Ah mais oui, là on est dans les... 700,67 peut-être quoi. C'est pas que... C'est la meilleure approximation. Extinction de lumière sur Asita. Je vais me tourner à présent vers Stéphane. C'est pas que... Stéphane Akro, à qui je vais poser une question en rapport avec l'orthographe. Ok. Je te lis cette belle phrase. Différant la date de leur divorce, ce que je ne vous souhaite guère, les avocats aggravèrent leur différend. Comment écris-tu les deux différends? J'ai pas entendu le premier mot. Différant la date de leur divorce, les avocats aggravèrent leur différend. Comment écris-tu les deux différends? On ne souffle pas. D-I-2-F-E-N-T, premier différend. Ils aggravaient leur différend. Différend. 10 secondes. D-I-2-F-E-R. Différent. Buzzer avant. Buzzer avant, déjà, pour valider la réponse. Ce sera ton dernier mot. Ouais, c'est vrai. Vous tombez à 25. Vous perdez 2 points. A-N-T, là, il y a un U-D, N-D. Attention. Différent. T'as dit E, malheureusement. A-N-T, au début. Le deuxième E-N-D. Avec 500 lumières sur Stéphane Ignaoré, qui fait perdre 2 points à son équipe, on va se tourner vers... Accro, accro. Vers Stéphanie. Stéphanie, accro. J'ai bien dit, on va partir à l'école. Très chère Stéphanie. J'ai juste une phrase toute simple. La reine s'était installée dans un traîneau conduit par un renne. Comment écris-tu les deux rennes? Buzzer avant, 20 secondes. Buzzer avant. R-E-I-N-E. Pour le premier ou le deuxième? Pour le premier. Mm-hmm. Et pour le deuxième, R-E, accent... Bon, accent grave. N-E. Ce sera ton dernier mot. Vous tombez à 23. Oh my God. Le deuxième renne, c'est R-E-2-N-E. Premier renne, R-E-I-N-E, effectivement. Extinction de lumière sur Stéphanie. Acro, je vais me tourner vers l'autre acro. La famille. Peut-être pas l'accro de trop. Un accro tout de même. Pierre, pour qui j'ai cette question. Truc bizarre, en quoi ils sont allés me chercher, je suis sûr. L'arbre à mire est dans la ligne de mire du bulldozer. Comment écris-tu les deux mire? M-I. Buzzer avant. Ah, pardon. M-Y. R-H-E et le deuxième M-I-R-E. Ce sera ton dernier mot. Oui. Vous tombez j'ai à... un truc. Deux R. Yeah. Vous tombez à 21. Ah, il y a deux R. Ah, quoi. Donc, fallait dire M-Y-2-R-H-E. Ce qui met un terme donc à cette confrontation dans le cadre du one-to-one. Je rappelle le score. C'est pas grave. 21. T'as beaucoup gagné. 4. Ah. Que la lumière soit. C'est pas grave. Allez, on va boucler la boucle à présent avec ce qu'on appelle ici à la queue-leu. Point besoin du buzzer. Je vais donner un mot pour démarrer. Il faudra utiliser la dernière lettre du mot pour construire un autre mot. On n'emploie pas un mot déjà employé.
on n'emploie pas de verbe. Les participes passés sont admis. Vous avez compris le principe ou pas? Cheval, liminaire, elle dira sûrement esthéticienne. Absolument. Comme à ses habitudes. Pierre nous dira peut-être étoile, escalator, rayure, etc. Okay. Sommes-nous OK? Oui. Juste après ça. Pour former un oui, on touche. Quand on se plante, on perd un point. D'accord, si on se plante, on perd un point. Quand on se plante pas, on perd pas de points. C'est clair. Okay. Là, on ne gagne plus de points. Combien de minutes avons-nous pour plier cette affaire? Ah bah oui. Nous avons 3 minutes. Ouf. On y va. Ok. C'est trop. Je peux vous regarder et désigner quelqu'un d'autre. Hein. C'est malheureusement mon travail. Par exemple, je vais dire « montre ». Mais c'est pour Stéphanie. 3 secondes pour répondre. Non, pas de buzzer. Tu veux dire directement. Étang. Ok. Ben Stéphane, étang. Dynamique. Non. G. Moins un. C'est un G, étang. Je dis étincelle pour Assita. Moins un. Ça finit par E, faut dire. Ça finit par E. Tu as fini, petit point qui laisse là encore. Allez. Oh, ça va aller. Oh. Allez, je dis gilet pour Denis. Moins un. Non. 3 secondes pour répondre. C'est un esprit, ça sort, c'est un esprit. Non, c'est pas la même chose. Je dis boucle pour Pierre. Esclave. Ok, Stéphanie. Être. Ok. L'INSEE. Étoile. Ok. Stéphane. Être. Moins un. Vous tombez à 19. 19, 2. J'ai déjà dit être. Assita, je dis verre. À boire, le verre. Moins un. C'est pire, la verre. Tu bois, Stéphane, je dis mug. Mug. Oui. Gilet. Comme ce qui est là, le mug. Comme le mug. Oui. Moins un. Gencive. Il a dit gencive. Il a dit gencive. Ouais, 3 secondes pour répondre. Oui. Je dis parapluie pour l'INSEE. Esthéticienne. Parfait. Pierre. Écriture. L'INSEE. Érotique. Ouh. Pierre. Écaillé. L'INSEE. Escalator. Pierre. Rapide. Parfait. Pierre. Étudiant. Ok. Pierre. Tableau. Ok. Stéphanie. Étudiant. Ah oui. Urne. Ok. Stéphanie. Moins un. Je sais plus. 17. On ne, en fait. Stéphane, je regarde. Mais c'est pour Denis. À qui je dis micro? Rune? Non. Oui. Ou à la fin. Vous tombez à rien. Qui? On n'a plus de nous? 17-0. On diminue comment, en fait? Là, c'est moins un. Échec. Dernier tour. Je dis bague pour Stéphanie. Élevé. Ok. Une pensée pour Kérosène, peut-être. L'INSEE. Étudiante. Ok. Denis. Élève. Ok. Très bien. Élégance. Super. Stéphane. Escalator. Déjà dit. Dit. Au revoir. Moins un. Vous perdez un point. Ce qu'on va faire à présent, on va marquer une pause. Juste après la pub, je dirai qui a remporté cette battle. À tout de suite. Retour sur le plateau de la télévision pour le tout dernier virage de cette porte du week-end qui a voulu s'opposer ce soir. Deux familles formidables, fantastiques, sympathiques, naturelles, transparentes, modèles. La famille Niaouré. Oui. Merci beaucoup, l'INSEE. Avec grand plaisir.
Oh là là. C'est quoi le score? Tu l'as toujours pas dit? Je vais le dire tout à l'heure. Denis, merci beaucoup. C'est un suspense. Ah, Sita, merci beaucoup. Hein. Stéphane, vous vous désaltérez? Oui. Ça, c'est la marque des vainqueurs, apparemment. Bien sûr. D'accord. Stéphanie, merci beaucoup d'être passée nous visiter. Merci à Pierre, vous. Merci pour ce retour. Je rappelle le score à présent. C'est un score plutôt lourd. On va d'abord et avant tout saluer ce chaleureux public qui nous aura accompagnés. Ça pourrait être lourd. La responsabilité, mes choix à présent, de communiquer ce sport il est léger pour moi, sans appel. Pas il n'est même pas étriqué, il est plutôt lourd à porter, je dois avouer. 16 pour les applaudissements. Et finalement, pas grand-chose. On va dire rien pour... pour la télé d'ici. C'était quand même particulièrement compliqué parce que vous avez vu, c'était pas un peu, il n'y avait pas de choses internationales, tout ça, c'était vraiment, franchement les gars quoi, ma dernière quoi. Mais ça m'a aidé. On se retrouve lundi, l'INSEE sera là lundi, évidemment. Oui. Émission spéciale Pâques à ne manquer sous aucun prétexte, on sera avec Magnifique, on sera avec Léa Dubois. Émission plutôt sympathique. On se retrouve lundi, d'ici la TKR, la T-Band live. Right now. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce soir? Hey. Oh baby, you and I, you and I. Oh baby, you and I, you and I. Unna ke kebi, oh baby. Jolly, jolly, we go overseas.
Chidinma, oh baby, you and me, dédié exclusivement ce soir au couple Nyaoré et Ako, à la demande de la T-Band. Good job, bravo.